Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Mitin et Catherine Rivière pour remettre les prix. Philippe, que représente la simulation dynamique pour une société comme Bull ? C'est la première activité en termes de croissance. Aujourd'hui, on a 60% de croissance. Ça va représenter à peu près entre 15 et 20% du chiffre global de l'entreprise. Nous sommes partis de zéro il y a 5 ans. Je crois que le prix Bull Joseph Fourier est essentiel. Toute la genèse de ce projet, c'est de créer un écosystème performant pour le développement des applicatifs, que ce soit avec les écoles d'ingénieurs, les universités, les industriels, les laboratoires. Et donc, ça nous permet de garder, en termes d'innovation, sur la partie applicative, un leadership important. Catherine, un mot sur la participation de Gen-C à ce prix. Le sens pour Gen-C de ce prix, c'est reconnaître l'excellence de celles et de ceux qui participent au développement du calcul intensif en leur accordant des heures de calcul sur nos machines. Et pour nous, c'est participer à une de nos missions qui est la promotion et le développement du calcul intensif auprès de tous les utilisateurs, qu'ils soient scientifiques ou industriels. Nous avons aussi notre mission qui est de donner accès, de développer l'utilisation du calcul intensif auprès des industriels et en particulier auprès de ceux qui n'ont jamais utilisé la simulation numérique. Autre mission, c'est représenter la France dans certaines instances européennes et internationales. Nous sommes le représentant français dans la société Price qui a pour but de mettre en place sur le territoire européen une infrastructure pérenne qui permettra aux scientifiques européens d'avoir accès à 4 ou 5 infrastructure pétaflopique. Donc il y a trois prix. Le troisième prix consiste en une dotation de 300 000 heures de calcul de CPU offerte par Gen-C. Le deuxième reçoit 100 000 heures de calcul GPU également offerte par Gen-C. Et le premier prix reçoit 15 000 euros offerts par Bull. Donc pour le troisième prix, le jury a désigné un chercheur dont il a particulièrement apprécié la qualité de ses travaux dans la parallélisation des codes pour simuler des phénomènes d'écoulement turbulents. Je pense que jamais ces phénomènes ultra complexes n'avaient été simulés avec autant de précision et ces travaux devraient permettre de réduire les polluants et de diminuer la consommation dans un grand nombre d'utilisations. Donc, pour le troisième prix, le jury a nommé M. Vincent Moreau. Je suis absolument ravie que Vincent ait ce prix-là. Et c'est aussi une manière de féliciter, de reconnaître l'excellence de la recherche française dans le domaine de la mécanique des fluides. Alors, deuxième prix. S'il y a un domaine qui intéresse tout le monde, c'est bien la santé. Le jury a été sensible aux travaux sur le parallélisme qui ont permis d'atteindre des précisions extrêmes, tant pour mieux détecter des tumeurs cancéreuses que pour optimiser certains traitements thérapeutiques. Et donc, pour la remise du deuxième prix Bull Joseph Fourier, j'appelle chercheur titulaire au COA, spécialiste de l'imagerie moléculaire, M. Sébastien Jean. J'espère qu'en utilisant les accélérateurs que sont les GPU, vous pourrez encore diminuer le temps d'examen et donc permettre que vos travaux puissent être utilisés dans le maximum d'hôpitaux de France et bien sûr ailleurs, partout. Bravo. Merci et bravo. Et enfin, pour le premier prix, le jury a désigné un chercheur dont il a particulièrement apprécié à la fois la qualité de ses travaux dans la parallélisation des codes pour simuler des phénomènes globaux, mais également pour l'impact de ses travaux sur la vie des citoyens, puisque ses travaux permettent de mieux comprendre la propagation d'ondes sismiques dans des structures géologiques complexes. Donc, j'appelle pour le premier prix Bull Fourier 2010, M. Dmitri Kombatych. Le but, c'est de faire de la modélisation à très haute résolution de la propagation des ondes sismiques dans le globe terrestre. Je tiens quand même à mentionner mes collègues avec qui j'ai travaillé au cours de ces deux dernières années. Sur la partie multi-GPU, David Michéa de l'INRIA et Gordon Erlebacher de l'Université de Floride, ainsi que Dominique Godecke de l'Université de Dortmund en Allemagne. Et pour la partie sismologique, Lev Vinnik de l'Institut de l'Académie des sciences de Russie et Sébastien Chevreau de l'Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse.
Le logiciel que j'ai utilisé, c'est celui que j'ai développé à la fin des années 90, qui s'appelle SPECFM 3D, qui permet de calculer les ondes sismiques après un tremblement de terre dans l'ensemble de la Terre. Il est en mode open source, donc il est téléchargé sur pas mal de sites. Et du fait qu'il est open source, on s'est associé à pas mal de personnes pour le co-développer, notamment l'Université de Princeton et Caltech aux États-Unis, et le Centre de supercalcul de Barcelone, qui nous permettent d'optimiser cette version partagée. Et là, sur Titan, entre 4 GPU et l'ensemble de la machine, 192 GPU, le comportement du code est quasi parfait. Ce qu'on envoie comme message à la communauté, c'est un phénomène bien connu depuis 20 ans, mais qui était interprété comme une signature de l'anisotropie. Par du calcul purement numérique de modèles plus simples isotropes, on montre que non, attention, ce même phénomène peut exister dans des modèles isotropes, et donc l'interprétation qui en était faite depuis une quinzaine d'années est partiellement erronée. Mes remerciements pour l'ensemble de ce projet vont bien sûr notamment à Stéphane Requena de Gensy, qui m'a soutenu depuis le début, M. Pironneau aussi, depuis que je suis étudiant, il m'a encouragé dans cette voie, Bull et ses collaborateurs pour l'organisation de ce prix, c'est-à-dire Gensy et la Tribune. Pour moi, la contribution essentielle de Gensy a été de créer une communauté. Il ne faut pas oublier les gens du support technique qui ont joué un rôle décisif. Même chose au CINES. Et puis, je remercie aussi le groupe de Barcelone, Jesús Labarta, qui nous a aidés dans l'optimisation du code séquentiel de départ. Merci à tous. Gensy et Dimitri, c'est une histoire qui a commencé en septembre ou novembre 2008, quand vous avez été un des candidats qui a travaillé sur la machine qu'on a installée au CINES. Juin 2009, vous êtes notre troisième lauréat et vous avez 100 000 heures de calcul GPU sur la machine du CCRT. Et ensuite, décembre 2009, le gouvernement italien vous demande de les aider après le tremblement de terre d'Aquila en refaisant ce que vous aviez fait au CINES pour pouvoir essayer de simuler les répliques et voir dans quelle mesure ça pouvait servir au gouvernement pour prendre des décisions si nécessaires par rapport aux Italiens, tout simplement. Le CINES vous a donné accès à la machine pendant 2 jours, pendant tout le week-end, vous avez travaillé et vous avez pu délivrer vos résultats au gouvernement italien. Donc pour cela, bravo, car il y a un an, les 100 000 heures de calcul sur GPU vous ont permis d'accélérer par 25 les résultats sur SPECFM 3D. Histoire avec Gensy, qui est aussi une histoire européenne, car votre code est un des 20 benchmarks du projet de Price, en fait. Donc bravo Dimitri, bravo pour votre énergie, bravo pour votre engagement. Merci à tout le monde. Donc en prenant l'exemple sur Dimitri, je vous encourage tous à postuler pour le prix pour l'année prochaine. Et rendez-vous pour le prix Bull José Fourier 2011. À bientôt.